Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode sur Primeria. Et dans ce quatrième épisode les amis, aujourd'hui nous allons faire pas mal de choses, dont des bulles, des machines en Redstone, vous allez voir ça va être très cool. Mais revenons rapidement les amis sur l'épisode précédent qui est sorti évidemment dimanche, donc n'hésitez pas à aller voir l'épisode numéro 3 comme d'habitude. Je vous le mets dans la description, vous avez au passage extrêmement adoré ce petit terraforming. Donc comme d'habitude, merci à vous pour tous vos retours, là vous avez été tellement nombreux à donner des retours. Et comme d'habitude, je vous remercie parce que je vais pas vous mentir, ça fait vraiment chaud au cœur et je suis super content de voir tout cet engouement au niveau donc du build et tout. Je suis trop content franchement que l'épisode vous plaît et voilà, on va essayer de s'améliorer d'épisode en épisode. Et bien voilà, tout simplement. Donc voilà, au passage vous m'avez donné pas mal d'idées pour ce qu'on va faire dessus. J'ai noté des choses parce qu'il y a des choses qui m'ont vraiment bien plu, dont par exemple une maison de witch. On verra mais on fera ça évidemment plus tard, parce que aujourd'hui qu'est-ce que je vous réserve? Et bien c'est très simple les amis, aujourd'hui on va essayer d'aller se faire une usine, et pas n'importe quelle usine. Oh, je me tape un arbre, une usine à bonne mille, parce que évidemment, si vous avez un petit peu suivi les lives, et comme d'habitude, je vous conseille de venir sur Twitch, vous êtes tellement nombreux, il y a moyen, hein, si jamais vous êtes tellement chaud qu'à la fin de cet été, on atteigne les 10 000 followers, ce qui est du grand n'importe quoi, je vous le dis, donc merci à vous. Et donc sur Twitch, eh bien tout simplement, on a un petit peu regardé et tout, qu'est-ce qu'on allait faire au futur, et on va au futur faire d'une usine à bois, voilà, c'est prévu, peut-être pour les épisodes prochains, je ne sais pas trop encore, mais le souci, c'est que pour faire une usine à bois, il faut énormément de bonnes milles, et tout simplement, pour avoir toute cette bonne mille, eh bien il faut une usine à bonne mille. Donc et eh bien c'est ce que l'on va faire aujourd'hui, et je pense même peut-être le mettre en shop parce qu'il y a moyen qu'elle marche tellement bien qu'on puisse même en vendre, et je pense que certaines personnes pourraient être intéressées. Et donc je vous propose de faire un micro petit timelapse, voilà, on va construire l'usine à la maison et on se retrouve juste après pour le petit débrief de l'usine, comme ça je vous l'explique. Et donc me revoilà après ce petit timelapse. Et donc au passage, tiens, tant qu'on est juste à côté, cette usine simplement à blé qui continue de tourner, c'est trop cool parce que vu, je l'ai trop bien placé. Elle est en plein milieu de notre base, donc à chaque fois, voilà, je passe comme ça, je récupère des loot, franchement c'est trop cool. Elle produit tellement en plus, c'est vraiment un plaisir cette usine. Il faudrait qu'à terme on balance tous ces sites genre dans des composteurs pour avoir encore plus de bonnes milles, ça peut être trop bien. Mais donc, vous l'avez vu, l'usine à bonnes milles qui sera, si je l'oublie pas, dans la description. Voilà, c'est une usine à Il Mango qui nous marche pas sur Bedrock. Faudrait que j'essaye de faire un modèle pour Bedrock, ça peut être trop cool. Mais donc comment ça marche, c'est super simple en fait. Tout simplement on va utiliser le principe des composteurs, parce que pour les gens qui ne savent pas, un composteur, voilà, qui est par exemple juste ici, dès lors où il va être rempli par exemple de seed, de n'importe quelle, on va dire, matière un peu organique, même je crois qu'on peut même le remplir avec des os, donc autant vous dire que il y a plein de choses qu'on peut remplir dans les composteurs. Et en fait on va remplir les composteurs d'une matière bien spécifique qui est simplement la moss, parce que en fait la moss elle est super simple à faire et ça ne coûte pratiquement rien. Et tout simplement en fait c'est une usine qui s'auto-alimente, c'est à dire qu'au départ vous l'alimentez avec un petit peu de bonne mille et ensuite elle va automatiquement s'alimenter elle-même et tourner à l'infini, ça va être incroyable. Et surtout elle tourne super bien, et ce qui est encore mieux c'est qu'il est possible de la combiner avec d'autres usines. Vous pouvez par exemple en ajouter en longueur, en hauteur et tout, ça fonctionne super bien, c'est trop cool. Et j'ai justement laissé tourner alors une seule nuit, pas plus, et vous allez voir en combien combien ça m'a donné en une seule nuit, sachant que j'ai déjà un peu pick-up dedans, mais j'ai déjà eu tout ça en bloc, tout ça. Et c'est arrivé à peu près, je dirais, jusqu'ici. J'en ai récupéré un petit peu hein, depuis, comme vous pouvez le voir. Mais c'est trop cool, hein, la produit tellement. En plus, ça, c'est des blocs de bonne mille, hein, ce qui veut dire 9 fois le nombre que vous avez vu avant, ce qui est quand même impressionnant. Hein. Et sinon, si je vous montre son fonctionnement, vous allez voir, c'est très simple. Je l'active, alors elle fait un petit peu de bruit, mais c'est tout simplement, vous allez me demander pourquoi il y a de la lave au passage, parce qu'il y a un générateur à stone. Et tout simplement, vous pouvez le voir, en fait, à chaque fois que ça va faire apparaître, comme ici avec la bonne mille, alors il y a des bugs de vue, hein, des bugs de vision, hein, c'est pas réellement de l'eau là-bas, mais tout simplement, ça fait apparaître tout simplement moss avec les différentes choses qu'il y a avec la moss, des seeds, des azaleas, je sais plus comment ça s'appelle ces trucs. Et tout simplement en fait la stone elle est un générateur ici qui va constamment pousser la stone, ce qui va, comme vous pouvez le voir, en fait avoir pour effet de casser les blocs de moss et tout simplement les faire tomber dans cette clean hopper qui va être tout simplement envoyée dans des composteurs. Et voilà, c'est très simple et en plus c'est
très très compact, c'est très stylé et ça franchement j'approuve. Elle est incroyable cette usine. Et si on regarde un petit peu ici, regardez, on voit les loots de bonne mille passées. Il y en a tellement, hein, je vous dis, elle est incroyable cette usine. On peut même le voir par exemple ici, regardez la vitesse où arrive la bonne mille, c'est du grand n'importe quoi. Alors évidemment vous pouvez peut-être le voir, ça fait des petits lags au niveau FPS de jeu. Il y a des gros lags à certains moments parce qu'il y a beaucoup de pistons qui bougent en même temps. Il y a un cobble générateur, enfin de la stone plutôt que cobble générateur, ça demande beaucoup de mouvements, de blocs et tout. On l'a vu, il y a des problèmes visuels et tout, mais elle fonctionne très très bien. Il y a juste des petits soucis que j'ai remarqué, genre si on sort du chunk au moment où elle tourne, l'usine broque complètement, genre il n'y a plus de lave et tout, faut remettre la lave. Mais sinon, si on oublie ces petits problèmes là, franchement elle est impeccable, elle a aucun souci. Alors comme une fois, hein, ça c'est des bugs de visu, c'est-à-dire que si je vais dessus, vous allez voir, regardez, hop, ouais, l'eau à part. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça fonctionne. Est-ce que c'est... Ah oui, ça fonctionne en chunk. Et là, regardez, si on se met entre les deux chunks, je crois que... Ah ouais, faut que je sois à gauche pour que le chunk s'initialise et tout. Ouais, c'est bizarre, bon, c'est des bugs de vue, hein. C'est pas des vrais bugs, mais en tout cas, eh bien, ça fonctionne trop trop bien cette usine. Et en plus, petit avantage, comme on peut le voir, ça crée énormément de moss. Donc si demain j'ai besoin de beaucoup de moss, je viens ici, je l'en récupère, c'est tellement cool. Juste à bloquer les hoppers et tout, c'est franchement trop trop bien. Et donc voilà pour ce qui est simplement de cette usine à bonne mille qui fait un peu lag. Attendez, hop, on va l'arrêter parce que ça crée un petit peu de lag. Et on peut le voir, là, regardez toute la bonne mille qui arrive. Là, regardez-moi toute cette bonne mille. C'est type incroyable, regardez-moi ça là, non mais c'est incroyable cette usine, hein. Franchement elle est incroyable. Bon, comme d'habitude évidemment, je vous mets le lien de cette usine dans la description si jamais vous voulez vous aussi la refaire. C'est une Dilmango, donc ça fonctionne très très bien, un peu compact hein, niveau redstone, mais ça se fait très très bien et comme vous pouvez le voir, ça marche extrêmement bien. Voilà les amis, ça étant fait, maintenant on va se rendre au spawn. Il y a notre ami tout simplement, Spizis, et je crois même qu'il y a Flanou avec, qui ont construit un truc et je vais aller vous le montrer parce que justement ça va avoir de l'importance pour ce qu'on va faire juste après. Et bien rendez-vous au spawn tout simplement. Et me revoilà au spawn les amis, et en fait regardez, je vous montre tout simplement un peu plus loin, excarpé du spawn, et bien il y a eu une nouvelle construction qui a été faite donc par Smithies et Flanou. Voilà, ça a été fait en live, je les ai un petit peu aidés, donc comme d'habitude franchement n'hésitez pas à venir sur Twitch, on fait pas mal de choses. Si vous voulez être au cœur de l'action, si on peut dire ça comme ça, des nouveautés et tout, franchement venez sur Twitch, en plus c'est trop trop cool, on s'amuse et tout, on fait plein de choses. Donc voilà, et en plus je suis très très souvent en live, comme par exemple aujourd'hui, voilà, mercredi je suis normalement en stream, donc voilà, n'hésitez pas à passer comme d'habitude le petit Twitch dans la description, sinon Gold River c'est très simple à trouver. Et puis voilà, et tout simplement il y a eu une zone ici qui a été créée, qui est simplement la zone marchande, tout simplement, avec et eh bien différentes passerelles qu'on peut passerelles, oui c'est comme ça que ça s'appelle, non, des patterns de zones, je sais pas comment on appelle ça, avec tout simplement des zones où on peut acheter et voilà, ça a été mis en place, c'est cool. Moi pour le RP évidemment j'en ai acheté deux, vous allez comprendre après pourquoi, mais c'est trop cool. Alors déjà on me demandait pourquoi il y a un mur ici, qu'est-ce que c'est que ce bordel, c'est moi qui l'ai mis parce qu'en fait Smithies a aussi construit un truc, je veux pas spoil son bulle, tout simplement j'ai mis un mur comme ça. Et eh bien je vous conseille d'aller voir tout simplement sa chaîne, elle sera dans la description, je crois qu'il sort aujourd'hui un épisode justement sur ce qui a été fait derrière ce mur. Et voilà, je veux pas spoil, franchement ça mérite le détour, franchement si vous loupez ça, et bien voilà, et mon téléphone le dit, hein, si vous loupez ça c'est pas bon, donc à vite, allez le voir. Et en plus je crois qu'il sort l'épisode cet après-midi peut-être, ou demain, je sais pas, mais de toute façon je vous mets sa chaîne dans la description et ne loupez pas ça. Et donc tout simplement comme je vous dis, j'ai acheté ces deux passerelles qui sont juste ici, et tout simplement je pense qu'on va essayer de se faire un petit build par exemple ici. Voilà, c'est cool, j'en ai acheté deux comme ça, c'est cool. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que tu fous là-haut, l'abeille? Je me dis waouh, maintenant il y a des moustiques dans Minecraft, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, c'est une abeille qui est ultra haut. Mais ouais, donc faire un petit shop ici, une petite maison, une petite cahute, je sais pas trop encore, mais on va voir. Et tout simplement essayer de vendre de la bonne mille tellement on en a, et je pense que beaucoup de gens vont l'acheter. Donc et eh bien voilà ce que je vous propose, un petit timelapse des familles, voilà tout simplement. Et puis voilà, on part tout simplement faire une usine à bonne mille, enfin une usine, non, un build, un shop à bonne mille. Mais donc voilà, allez, j'arrête de parler les amis, et puis à tout de suite après ce timelapse de shop, et je sais pas ce que ça va donner parce que je l'ai pas encore build. Allez, à tout de suite. Attends, mais c'est quoi ça?
Bon, et bien nous revoilà donc après cette séance d'archéologie qui de base devait être du build, mais au final ça s'est transformé en une découverte archéologique comme vous pouvez le voir. Je m'y attendais pas, hein, franchement, incroyable, je voulais faire un shop et regarder sur quoi je suis tombé. Si c'est incroyable. Non, réellement en vrai, pour sortir du RP, parce que évidemment c'est franchement trop stylé et tout. J'en ai chié, hein, pour faire la petite miniature, enfin la petite miniature, le petit timelapse que je vous ai fait avant, et tout, j'ai dû le construire puis le déconstruire. C'était bien galère. Mais en tout cas, voilà le petit dinosaure. Voilà une structure, un fossile de dinosaure qui est franchement trop quali. Au passage, hein, pour les gens qui veulent avoir un petit peu de lore, sachez que par exemple cette année, j'essaye de me donner un petit défi, c'est essayer d'apprendre un peu l'organique. Et j'adorerais en faire bien et apprendre à en faire. Et je commence un petit peu. Alors sachez que c'est pas moi 100% qui l'ai fait. Je me suis inspiré. Je vous mettrai la map de la personne qui l'a fait. Je crois que c'est un builder sur Cubecraft, si je me trompe pas. Et je me suis inspiré de comment lui faisait un petit peu les formes squelettiques des dinosaures. Voilà, je m'en suis inspiré. Sachez, hein, que je l'ai en version, on va dire, droit dans mon monde créa. Et autant vous dire que c'est plutôt stylé, voilà. Alors je l'ai pas de 0-0 fait parce que je me suis inspiré, mais j'essaye d'apprendre l'organique. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Surtout que là, j'essaye de faire des petits trucs un peu différents du build habituel que je fais, et vous me direz ce que vous en pensez. Franchement, je surkiffe, et en plus, vu que ça va être un shop à bonne mille, t'arrives devant ça, tu fais wow, attends que je comprends pas là, il y a un dinosaure. Ça rend vraiment trop stylé, et je pense que même en mode RP, on va pouvoir un petit peu troller les autres, ça va être plutôt stylé. Bon, évidemment, c'est un shop, donc, eh bien, qui dit shop dit j'ai été farmé un autre shopkeeper, voilà, même s'il était dans mon inventaire. Pour les gens qui se demandent au passage qu'est-ce que c'est qu'un shopkeeper, c'est simplement sur le serveur Primaria, ils ont mis en place un petit plugin où, pour éviter d'avoir juste un coffre avec les minerais dedans, ou enfin du moins les minerais, les différentes choses à vendre, eh bien on a un genre de petit, voilà, truc qu'on peut acheter au spawn. Et vous voyez, regardez, j'ai un petit shopkeeper, et normalement je l'ai bien setup si je le fais spawn par exemple hop ici. Ah, attendez, qu'est-ce qu'il faut faire avant? Oh, il faut le setup un chest. Ah non! Je me suis fail. Je l'ai posé là, je voulais pas. Ah, là, normalement, les amis, ça devrait être bon parce que j'ai tout cassé, en fait. Et au final, j'ai demandé à un modérateur, on me l'a redonné. Bon, c'est bon. Là, normalement, ça devrait être bon. Regardez. Hop! Oh oui, c'est magnifique. Et donc, je voulais vous montrer au passage l'interface qui est trop stylée. On arrive là-dedans. Ah oui, ça, c'est un bug qu'il faut manger avant. Mais on a l'interface qui est ici où on peut au passage checker le coffre dans lequel il est juste là-bas, ou auquel il y a tous les loots. Et regardez, par exemple, si je téléverse tous les loots dans le coffre, et bien, normalement, vous devrez les voir arriver. Voilà, ici. Donc, voilà, j'ai tout mis dedans, les bonnes blocs aussi en mode bonne mille. Et j'ai aussi mis des écus et des diamants. Pourquoi? Parce que ça va se stacker. Et donc, regardez, qu'est-ce que je peux faire? Je peux, par exemple, dire, oh là, je veux, pas, bon, là, je l'ai pas sur moi, faut que j'aille chercher les diamants. Mais oh là, je veux que le diamant ici soit remplacé par ça. Et donc voilà, par exemple, je peux dire, ouais, je veux un stack de ça, pareil, un stack de ça. Et par exemple, on va dire, tiens, on va faire les prix, par exemple, un diamant, ça vaut ça. Ça, je pense qu'on va le mettre, genre, par exemple, à 10. C'est bien 10, genre, un stack, c'est pas mal. Genre 3, c'est un stack. En vrai, franchement, c'est pas dégueu, en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez, peut-être mettre 4, voilà, comme ça, on va devenir encore plus riche. Et normalement, après, voilà, si on arrive dans le shopkeeper, voilà ce qui se passe, on a évidemment les trades et tout. Et c'est trop bien, et je peux même à distance, regardez, hop, aller dans le coffre, positionner ça comme ça, boum. Et ben, franchement, c'est trop cool, en vrai, franchement, je kiffe. Et ça nous permet d'avoir un vrai shop fonctionnel avec tout et tout, c'est pas mal. On peut même le rename, regardez. Voilà, rename, attendez, comment on le rename? Est-ce qu'on le renamerait pas, genre, bonne mille shop? Pas mal, non? Regardez, le bonne mille shop, comme ça on arrive, on sait que c'est le bonne mille shop, on arrive tout, qu'on peut direct one shot acheter, et ça franchement c'est trop cool, et je kiffe aussi le build. Donc voilà, vous me direz évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure en espace commentaire, qu'est-ce que vous en pensez, je kiffe, j'ai bien aimé faire le timelapse, en plus je l'ai déjà fait, donc je sais à quoi il ressemble, c'est trop stylé, vous me direz qu'est-ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Moi les amis, je vais vous laisser là pour ce 4ème épisode qui était franchement trop cool, comme vous pouvez le voir, on enchaîne les épisodes 2 par semaine sur Primaria, c'est trop cool. Au passage, hein, y en a qui vont peut-être se demander où est passé la survie ultra hardcore, comme je l'ai dit, je la un petit peu en pause le temps qu'on fasse Primaria et tout, et on reprendra peut-être à la rentrée, je sais pas trop encore, j'ai pas de date, mais vous en faites pas, elle est mis en pause, c'est juste qu'avec Primaria et tout j'ai tellement de projets que je préfère laisser ça en pause. Et donc voilà, tout simplement pour ce 4ème épisode de Primaria, et nous on va se laisser là les amis, évidemment comme je dis tout à l'heure, n'hésitez pas à aller voir l'épisode de Smithy, qui sera dans la description, sa chaîne, et vous pourrez aller voir, je sais pas si ça sort aujourd'hui ou demain, je sais pas trop, mais il y a quelque chose de très beau derrière ce mur. Et puis voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé de cet épisode, je compte sur vous, sur le bull, sur l'usine, voilà, je vous mets tout en description si vous les voulez, et je vous dis tout simplement normalement à samedi ou peut-être à dimanche, et si jamais je suis en stream cet après-midi, vendredi, samedi et dimanche. Allez, ciao les gens, à la prochaine, merci à tous d'avoir regardé ce petit épisode, allez, ciao les gens.